trouve que c'est une initiative, en tout cas, qui m'honore, un moment important, cérémonie de remise de diplôme, de certification, sur une période de formation qui est longue et sur un sujet qui est extrêmement porteur. Donc, dans notre approche qui a été engagée depuis 2022, il est important qu'on donne à nos personnels, à tous nos personnels, et j'y reviendrai, tous ceux qui sont en exposition, la possibilité de prévenir ces risques. C'est la raison pour laquelle, depuis 2022, on a en tout cas fait le choix de recourir au service de FreezeUp avec des formateurs dont c'est la spécialité, celle de la gestion des conflits humains, pour vous permettre de vous former, de prévenir les risques, de facto, c'est-à-dire de capter les modes de comportement à avoir quand vous vous retrouvez dans des situations que vous subissez, comment vous allez avoir une capacité à effectivement dégonfler la problématique quand c'est possible, et puis malheureusement, dans d'autres mesures, être en capacité de répondre aux agressions quand elles sont cette fois-ci avérées, soit de manière verbale, parce qu'on sait que les agressions verbales sont des agressions difficiles à subir, soit de manière physique, qui le sont encore d'autres manières, mais bien évidemment parfois extrêmement douloureuses. FreezeUp, ça a été en tout cas depuis 2022 le choix de notre prestataire. Il va encore nous accompagner quelques années. Depuis 2022, c'est 30 certifications de personnel de proximité qui ont été réalisées chez Foyer de Seine-et-Marne et nous serons à 40 au terme de l'année 2024. Tout le monde va avoir ce bagage de formation important, 5 jours de formation. Et puis surtout, vos nouvelles compétences, parce que ce sont des compétences que vous avez acquises à l'occasion de cette formation. Donc au nom des Foyers de Seine-et-Marne, permettez-moi de vous remercier pour votre implication au quotidien dans vos métiers de proximité, avec ce que ça représente en matière d'exposition personnelle. Et très sincèrement, avec les équipes des Foyers de Seine-et-Marne, les services support, j'espère que ces outils vous seront utiles, en tout cas pour prendre soin de vous, pour vous protéger, et puis aussi pour mieux réussir les missions qui sont les vôtres, qui sont aussi des missions de proximité et de contact avec les autres. Bravo à vous.